L'accusé a été reconnu non coupable. Faites place, je vous prie. Laissez passer M. Thomas et son avocat. Écartez-vous, messieurs dames. Circulez, vous feriez mieux de rentrer chez vous. Merci, lieutenant. Vous êtes un auxiliaire précieux de la justice. Ceci n'a rien à voir avec la justice. Je suis ici pour faire respecter l'ordre. Oui, Alex. Vous allez patrouiller à travers la ville. Faites circuler les habitants. Je ne veux aucun attroupement. Oui, lieutenant. Lieutenant Master. Qu'est-ce qu'il y a, Austin? Je connais votre opinion. Et je n'ai pas plus que vous de sympathie pour ce genre d'homme. Mais chacun de nous fait son métier. Vous faites très bien le vôtre, maître Austin. Aucun autre avocat du barreau n'aurait pu le faire acquitter. Toutes mes félicitations. Lieutenant, est-ce que Rusty est avec vous? Oui, mais il est resté à l'hôtel. Pourquoi me demandez-vous ça? Je serais heureux de le voir avant que vous quittiez la ville. C'est que je n'ai guère le temps. C'est très important, j'ai retrouvé sa famille. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Passez à mon bureau avec lui. Je vous mettrai au courant. Entendu, nous viendrons. Ah, j'ai l'impression que t'as un invité, Rantanta. Bonjour, Zizi. Oh, sois pas comme ça, Rantanta. Vous pouvez être gracieux? Bien sûr, tu l'as pas invité. Mais s'il a faim, le pauvre, qu'est-ce que tu veux? Et rappelle-toi qu'il faut toujours partager avec ceux qui sont malheureux. On dirait qu'il a dit merci, Rantanta. Prochaine fois, regarde des deux côtés avant de traverser la rue. Rusty, tu n'as rien? Non, j'ai rien, Rip. Rantanta m'a poussé à temps. Brave chien, Rantanta. C'était Alex Thomas. Oui, je l'ai reconnu. Il veut prouver qu'il est plus fort que nous, il nous nargue. Oui, il s'en est tiré, mais la prochaine fois, ça ne se passera pas de la même façon. Très bien. Cela prouve que le jeune Barrington et sa famille ont disparu à peu près à la même époque où nous avons trouvé Rusty et Rintintin dans le chariot après le massacre. Et dans la même région, lieutenant. Les Indiens Apaches étaient sur le sentier de la guerre. Beaucoup de convois des migrants ont connu ce sort. Et beaucoup d'enfants de l'âge de Rusty, oui, mais... Mais pas avec un chien comme Rintintin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul Rintintin. Mais c'est ce que je voulais dire. Tenez, voici une photo de Ronald Barrington et de son chien Rex. Elle a été prise peu de temps avant leur disparition. Mais ce chien-là a le poil plus clair que Rintintin. Le poil d'un chien fonce quand il grandit, Rusty. Mon enfant, vous êtes Ronald Barrington, troisième du nom. Vous avez une grand-mère très très riche et une magnifique maison qui vous attend à la Prairie City. Je m'appelle pas Ronald. Vous vous trompez. Mon nom est Rusty et j'ai qu'une maison, Fort Apache. Mais Rusty, Monsieur Austin a certes beaucoup de preuves. Mais il ne t'emmènera pas avant de nous en avoir fourni de tangibles. Quand le jeune Ronald est parti avec le convoi des migrants, il avait un couteau dans sa poche. Voulez-vous me montrer le vôtre? Celui que j'ai, c'est les soldats de Fort Apache qui me l'ont donné. C'est un couteau de cavalier. Oui, mais ce n'est pas tout à fait exact, Rusty. Tu avais un couteau quand nous t'avons recueilli. Nous avons seulement fait mettre des sabres croisés à la place d'un ancien motif qui était parti. Puis-je voir ce couteau, je vous prie? Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est que ça? Le motif qui s'était détaché de ce couteau avant que les cavaliers vous découvrent. Les armoiries de la famille Barrington. À ma prochaine permission, Rusty, j'irai à Prairie City te rendre visite. Oui, moi aussi. Je veux voir ça, le château, les domestiques et tout et tout. Tu sais, tu es le premier millionnaire que je vois. Ça m'est égal d'être millionnaire. Je veux pas de château ni de domestique. Tu entends? Je veux pas être Ronald Barrington, même troisième du nom. Je suis caporal Rusty.
Caporal Rusty, cette grande parade à laquelle tu viens d'assister était en ton honneur. Tu vas nous quitter et connaître une nouvelle existence, celle de Ronald Barrington. Une superbe maison, une bonne éducation. Tout ce que les garçons de ton âge rêvent d'avoir, mais ont bien rarement. Vous entendez ce que le lieutenant vous dit? Vous allez faire un magnifique héritage. Tu vas être un petit mineur plein d'argent. Oui, quand je serai grand, est-ce que je pourrai revenir dans l'armée avec vous? Nous serons fiers de te recevoir, fiston. Tu feras un brillant officier. Quel conducteur, il est l'heure de partir. Nous ne sommes pas prêts d'arriver à Prairie City. Oui, vous en êtes loin. Il ferait bien de te dépêcher, Rusty. À bientôt, caporal. Au revoir, Rusty. Rentre-t'en, on te le confie, prends soin de lui. Au revoir tous. Je reviendrai à Fort Apache dès que je pourrai. Le plus tôt possible avec Rintintin. Oui. À bientôt, Rip. Lieutenant, vous trouvez pas que tout est triste et que tout est changé à Fort Apache? Si, je ressens la même chose. Est-ce que cet avocat, ce monsieur Austin, n'aurait pas pu faire une erreur au sujet de Rusty? Ah, il est trop habile pour faire des erreurs. Mais s'il y a une chance sur 1 million que Rusty ne soit pas le jeune Barrington, je le découvrirai, je vous le jure. Ah, c'est notre jeune monsieur Ronald. Non, je m'appelle... Oh oui, je suis le jeune Ronald. Madame Barrington m'a chargé de m'occuper de vous. Je suis Hubert, et voilà sans doute votre chien favori. Non, monsieur, c'est pas favori, c'est Rintintin qui s'appelle. Oh bien, nous lui trouverons un endroit où il pourra rester. Il est toujours avec moi. Oh, très bien, monsieur Ronald. Je vais vous conduire à votre chambre. Madame Barrington a hâte de vous connaître quand vous serez vêtu d'une manière plus présentable. Viens, Rintintin. Et vous dites que Ronald avait un couteau portant les armoiries des Barrington. Oui, madame, et il a toujours ce couteau. Quand le lieutenant Masters a recueilli votre fils, Ronald avait ce couteau sur lui. Oh, c'est donc le lieutenant Masters qui a trouvé Ronald? C'est lui qui commandait la patrouille. Ah oui. Je serais très heureuse de parler au lieutenant. Madame, c'est qu'il est très occupé à Fort Apache, des ennuis avec les Indiens et puis... Ah oui, oui, bien sûr. Oui, je comprends. Eh bien... Ronald doit être prêt maintenant. Madame Barrington, au sujet de la récompense, c'est 20 000 dollars, n'est-ce pas? Ah oui, en effet, j'avais presque oublié. Cette somme est en dépôt depuis que mon petit-fils et ses chers parents ont disparu. Je vais demander à mon homme d'affaires de m'envoyer les fonds par le courrier de la semaine prochaine. Et en attendant, j'espère que vous serez mon hôte. Eh bien, c'est que je n'avais pas prévu de rester une semaine ici. Croyez, monsieur, que je suis désolée de ce contretemps. Mais la famille Barrington possède la plupart des mines du Colorado et mon homme d'affaires se trouve là-bas. J'enverrai un télégramme aujourd'hui. Merci. Et maintenant, je pense que notre entretien est terminé, monsieur. Je serai heureuse de voir mon cher petit-fils. Est-ce que Ronald descend, Hubert? Oui, oui, madame. Il vient tout de suite. Ronald. Ronald. Te voilà revenu parmi les tiens. Je t'ai enfin retrouvé. Alors, Ronald, comment a marché cette leçon d'équitation? Ça a bien marché, mais avec une selle comme ça, je pourrais pas m'en sortir si j'avais les Indiens à mes trousses. Mon enfant. Tu ne seras plus jamais poursuivi par les Indiens. Tu entends plus jamais, Ronald. Tu vas mener ici une vie très agréable et tu oublieras les mauvais jours de Fort Apache. J'étais bien à Fort Apache, Mme Barrington. Je voudrais que tu prennes l'habitude de m'appeler grand-mère. Oui, madame. Oh, excusez-moi, mais moi je voudrais que vous m'appeliez Rusty. Mais pourquoi pas? Si cela peut te faire plaisir d'avoir un surnom. Je ferai l'impossible pour te donner tout ce qu'un garçon de ton âge peut désirer, mon enfant. Merci. Vous êtes très gentille, malgré que vous êtes une grande dame. Tu es drôle. Merci, Rusty. Je suis persuadée que nous nous habituerons vite l'un à l'autre.
Rupp m'a dit que je resterai longtemps ici avant de retourner à Fort Apache reprendre du service. Faudra bien que je m'habitue à un tas de choses. Voudrais-tu me montrer ton couteau, Rusty? Oui, madame. Je veux dire, grand-mère. Ça alors, c'est chic chez vous. On est presque aussi bien qu'à Fort Apache. Rusty, serais-tu tellement heureux de retourner à Fort Apache, dis-moi? Vous en faites pas, grand-mère. Rintintin et moi, on restera avec vous. On s'est rendu compte que toute seule, vous vous embêtiez. Je te remercie, Rusty. J'étais bien seule, en effet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me voir? Oui. Désolé de te recevoir ici. Pas de change du luxe dans lequel tu vis. Oh bien, malgré moi, tu peux me croire. Bon, j'avoue que c'est très agréable de vivre dans le confort. Nos amis s'impatientent, ils voudraient savoir ce qui se passe. Ne t'emballe pas, Alex, je te préviendrai au moment voulu. Qu'est-ce qui retarde le paiement? Oui, formalité. L'homme d'affaires de Barrington sera ici dans quelques jours et il apporte l'argent. Et si quelque chose venait se mettre en travers? Ah, qu'est-ce qui pourrait se mettre en travers? Monsieur Greer? Lieutenant Master, sergent O'Hara. Il y a longtemps que je ne vous ai vu. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Nous venons vous demander un renseignement. Je suppose que vous avez appris que Rusty a retrouvé sa grand-mère. Il est à Prairie City. Non, vraiment? Non, oui, il est millionnaire. Lui et Rintintin, ils habitent un beau château. Tant mieux pour eux, mais j'aimerais que... Et depuis le départ de Rusty, j'ai relu mes vieux rapports sur son cas. Oui? Et j'ai pensé à l'époque où les hommes du fort se sont cotisés pour offrir à Rusty un motif pour son couteau de poche. Vous vous souvenez? Vous dites un motif? Voyons voir, il y a tellement longtemps. Rappelez-vous, l'ancien écusson était parti et vous en avez fait un s'adaptant exactement. Ah oui. Mais le moule a été jeté. Oh, que dites-vous, monsieur Greer? Vous m'étonnez, vous ne jetez jamais rien. Ah, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que vous avez trouvé, lieutenant? Parfait, Greer. Vous feriez bien de faire un effort de mémoire, et vite. Je comprends pas. Moi, j'ai compris. Vous avez moulé dernièrement un nouveau motif qui s'adapte exactement sur le couteau de Rusty, n'est-ce pas? Nous vous écoutons, monsieur Greer. Je ne sais pas ce que tout ça veut dire. Austin m'a commandé un travail, je lui ai fait des armoiries, mais... Austin. Je m'en doutais. Très bien, Rusty. Traduis la phrase. Pour que ton éducation soit parfaite, il faut que tu apprennes les langues étrangères. Mais je parle déjà la langue apache, enfin un petit peu. Ah, monsieur Austin. Excusez-moi, je ne vous dérange pas. Vous étiez en conversation et je ne voudrais pas... Non, vous ne me dérangez pas. De quoi s'agit-il? Je ne veux pas abuser de votre temps. Une affaire urgente m'appelle tout à coup et j'aimerais savoir quand je pourrai vous quitter. Vous pourrez partir quand vous le désirerez, monsieur Austin. Quant à l'argent de la récompense, ne soyez pas inquiet à ce sujet. Mon homme d'affaires l'apporte. Il arrive par le train de ce soir. Ah oui? Eh bien, voilà, voilà. Oh, à propos, j'oubliais. J'ai reçu un télégramme du lieutenant Masters. Il m'annonce son arrivée pour aujourd'hui en compagnie du sergent O'Hara. Ils viennent de Fort Apache. Ah! Vous dites que Rip va venir ici? Mais oui, mon cher enfant. T'as entendu, Rodada? Rip et O'Hara qui viennent ici. Le lieutenant a de nouveaux renseignements concernant Ronald. Ah oui. Eh bien, je suis sûr qu'il ne pourra que confirmer ce que je vous ai dit à ce sujet. Je crains d'être en retard pour cette affaire dont je viens de vous parler, madame, mais je vous serais très obligé si vous pouviez me prêter un cheval. Avec plaisir. Voulez-vous voir Hubert? Il s'occupera de vous. Merci. Mais t'as raison, Rintintin. Il a l'air d'être bien pressé de s'en aller tout à coup. Oui, il a une attitude étrange. Je me demande ce qu'il a. Grand-mère! Excusez-moi, voulez-vous, ça va être l'heure de ma leçon d'équitation. C'est bien, va, Rusty, mais sois très prudent. Oui, madame. Et viens, Rodana. Hubert, avez-vous vu monsieur Austin? Tout à l'heure, aux écuries, monsieur Ronald, j'ai dit au valet de lui sceller un de nos chevaux. Faites-moi sceller un aussi pour moi. Nous allons le poursuivre. Mais monsieur Ronald, nous ne sommes pas dans la cavalerie, ici. Faites-moi sceller un cheval, Hubert. C'est un ordre. Bien, monsieur.
Voilà où nous en sommes, Thomas. Si Masters peut prouver que Rusty n'est pas Ronald, nous aurons des ennuis. Ouais, en somme, t'arrives plus à t'en sortir. Hein? Toi qui te crois si malin. Rien n'est encore perdu si tu fais ce que je te dis. Il faut employer tous les moyens pour empêcher Masters d'arriver ici avant que je touche la récompense. Il arrivera ni avant ni après. Il est parti de Fort Apache par la vieille route militaire. On va lui faire une belle réception. En route, les gars. Il ferait mieux de retourner et d'avertir Rip et O'Hara. Eh bien. Regardez, lieutenant. Un homme blessé. Bougez pas, lieutenant. Thomas. J'ai dit ça aussi pour vous, sergent. Qu'est-ce qui vous prend, Thomas? C'est pour rendre service à un ami, lieutenant. Ah, je vois. Austin vous a chargé de ce sale travail pour qu'on ne le dérange pas. D'après ce qu'on m'a dit, vous n'avez pas été invité. Vous voilà, Charlie. Levez vos mains en l'air, Charlie veut les voir. Faut pas le contrarier, c'est un nerveux. Maintenant, avancez, marchez vers l'arrière. Charlie veut surveiller vos talons. Il veut savoir si on vous a bien appris à marcher ou pas. Que je pensais de vous, Thomas. Vous n'avez rien d'un brave. Très bien, monsieur. Continuez à nager par ici. Rusty! Rip! Rusty! Rintintin! Oh, je suis heureux de vous retrouver. Oh, nous aussi, Rip. On a entendu Austin leur dire de vous empêcher de passer. Austin? Où est-il? Il est retourné au château pour toucher l'argent de la récompense. O'Hara, occupez-vous d'eux. En route, Rusty. Tout me paraît en règle, Madame Barrington. Je ne vois aucune raison de retarder le paiement de cette récompense. Et en effet, qu'est-ce que nous attendons? J'attends l'arrivée du lieutenant Masters. Masters, qu'est-ce qu'il a à voir dans cette affaire? Je crois que je vous l'ai déjà dit, Monsieur Austin. Si les nouveaux renseignements qu'il apporte prouvent que Rusty n'est pas vraiment mon petit-fils, je ne pourrai vous donner cet argent. Mais j'espère sincèrement qu'il n'apporte pas une pareille nouvelle. Je préférerais vous donner la récompense. Et garder l'enfant. Ces atermoiements sont ridicules. Je vous ai donné des preuves irréfutables. Nous attendrons le lieutenant Masters. Je n'ai plus le temps d'attendre. Je me suis donné trop de mal dans cette affaire pour l'abandonner maintenant. Je vous conseille tous de vous rappeler ça. Laisse-le, Rintintin. Maître Austin, je crois que vous allez avoir besoin d'un bon avocat. Mon cher Rusty, je suis désolée que tu t'en ailles.
Mais je sais que tu seras beaucoup plus heureux en retournant à Fort Apache. Oui, madame. Rintintin et moi, on se plaisait bien ici, mais Fort Apache, c'est mon foyer. Je comprends la déception que vous avez dû avoir quand je vous ai appris que Rusty n'était pas votre petit-fils. Non, je l'ai su dès son arrivée chez moi. Vous le saviez? Oui. Oh, ce n'était pas bien de ma part. Quand je me suis rendu compte qu'il n'était pas mon petit-fils, j'étais prête à payer la récompense pour garder avec moi Rusty dans ma maison à la place de Ronald. Il faut me comprendre et me pardonner. Je ne suis qu'une vieille dame qui ne voulait pas finir ses jours toute seule. Mais maintenant, vous ne serez plus seule. Rintintin et moi, on viendra vous voir souvent. Comment avez-vous découvert que Rusty n'était pas réellement Ronald? Rusty, veux-tu nous montrer ton couteau? C'est le fameux couteau qui a presque prouvé que Rusty était votre petit-fils. Non, il a prouvé qu'il ne l'était pas. Tenez, voici quelles étaient les armoiries des Barrington quand Ronald a disparu. Vous voyez, la barre transversale n'existe pas. Elle a été ajoutée à nos armes l'année dernière. Sans ce détail-là, Rusty, j'aurais pu retrouver un petit-fils. Et tu aurais eu tout ce que tu pouvais désirer. Oh, qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? J'ai tout ce que je désire, grand-mère Barrington.